es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien, para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. El día de hoy en No Hay Lugar Común tengo a Marc Flervé. Él es uno de los grandes economistas de origen francés, con una discusión interesante en esta época sobre el bienestar, la economía, la responsabilidad y sobre todo de los objetivos normativos que deberían llevar o guiar la economía. La entrevista la haremos en francés, subtitulada, y le doy la bienvenida a Marc Flervé. Merci beaucoup d'être ici. Merci, excusez-moi de ne pas savoir parler espagnol suffisamment bien. Je vous esquive ça, c'est pas grave, et on peut résoudre ça. Merci Flervé, je commence avec l'idée que la semaine dernière on discutait ici précisément sur la fin de l'histoire. Monsieur Francis Fukuyama, qui était ici à Den 40, il a écrit il y a longtemps qu'on était au bout de l'histoire. Et maintenant, on ne savait plus qu'est-ce qui allait arriver avec l'humanité. Vous avez dit non, Monsieur Fukuyama, il a tort, c'est pas vrai, et l'histoire continue. Oui, l'histoire continue et l'histoire humaine est un carrefour extrêmement important pour cette génération. Le rapport du panel international sur le progrès social que j'ai contribué à animer dit en fait que nous sommes au sommet des possibilités de l'humanité. Il y a eu énormément de progrès, notamment au cours du XXe siècle en termes de réduction de la pauvreté, d'élimination de tout un tas de problèmes, d'amélioration des conditions de vie, etc. Mais les choses peuvent s'aggraver très vite parce qu'il y a des gros défis qui arrivent. Donc l'histoire est en fait extrêmement pleine de suspense, comme on dit. Et il y a notamment trois grands défis. Le défi de l'environnement et du climat et toutes les autres dégradations de l'environnement. Le défi de la cohésion sociale, les inégalités qui restent fortes entre les pays et qui augmentent à l'intérieur des pays. Et puis le défi de la gouvernance en un sens général, le problème de la fin de la coopération internationale et le problème du déclin des démocraties, du trouble des démocraties dans différents pays. Si on voit les films de fiction aujourd'hui, on parle de multivers. Et c'est carré faux que vous dites. Il y a des décisions qu'on est en train de prendre qui peuvent définir comment l'avenir va être. D'un côté, c'est vrai, on a réduit la pauvreté, la mortalité aussi, la mortalité enfantine. De l'autre côté, on a peur. La pandémie de COVID-19, comment est-ce que ça a changé votre lunette pour voir cette opportunité, ces multivers possibles? Oui, c'est un révélateur, la pandémie, en fait. C'est un révélateur des fragilités de nos systèmes. Et on a vu, par exemple, sur la question de la coopération internationale, comment, à un moment où une pandémie globale qui aurait dû appeler à une coopération globale parce que on a des besoins de protection mutuelle. Hein. Si le virus continue à circuler autour du globe, il revient avec de nouveaux variants contre lesquels nous ne sommes pas protégés. Eh bien, malgré cela, les réflexes d'égoïsme nationaux ont été assez forts. Et le partage des vaccins, le partage des équipements a été très difficile à mettre en place. Donc ça a été un révélateur de ces difficultés et de cette atmosphère de repliement sur les priorités nationales, voire infranationales, qui est vraiment l'atmosphère du moment. Et de l'autre côté, la vaccine a été possible grâce à la coopération internationale. Alors voilà, et effectivement, donc il y a toujours un aspect positif, et il y a vraiment une innovation technologique extraordinaire avec ces nouveaux vaccins. Donc c'est une brèche vers une possibilité énorme en matière, y compris
de vaccins contre le cancer ou des choses comme ça. Donc il y a énormément de choses qui peuvent sortir et qui sont positives de cela. Mais on a une sorte de contraste énorme entre les possibilités techniques, les possibilités économiques que nous avons et nos formes de gestion, nos formes d'organisation, nos formes de coordination collective qui sont vraiment beaucoup moins efficaces. Revenons dans l'idée du Carrefour, on se demande aujourd'hui quel genre d'État devrait avoir chaque société vis-à-vis ces valeurs-là. Et il y a toujours l'idée, l'État scandinave a été bien bâti pour résoudre liberté et égalité, pour avoir tous les deux. Et c'est la fraternité qui a aidé, justement, pour que ça marche. Mais après, on se demande si l'État scandinave peut être reproduit ailleurs. Et on le demande en Amérique latine, même en Europe, et surtout vis-à-vis de la globalisation. C'était des États construits dans l'idée de l'État-nation, pas dans l'idée de nation mise dans la globalisation. C'est un modèle qu'on peut poursuivre, c'est loin de la réalité. Oui, le modèle scandinave est un modèle super intéressant. Et en fait, il y a deux idées fausses qu'il faut abandonner à son propos. La première, c'est que c'est un modèle qui ne fonctionne que dans des économies fermées. Et ça, ce n'est pas vrai. En fait, les économies scandinaves sont très ouvertes sur le commerce international et elles sont très compétitives. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. L'autre idée fausse, c'est que ce sont des modèles qui sont basés sur des économies très, très centralisées. Alors qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une forme centralisée de négociation collective, mais il y a aussi beaucoup d'applications de formes plus décentralisées d'organisation au niveau local. Et enfin, je devrais ajouter le fait que ce ne sont pas des économies qui ont adopté ces modèles de solidarité assez forts à un niveau élevé de développement. Quand ils ont commencé à introduire leur système d'État-providence, ils l'ont introduit à un niveau de développement finalement très limité, en dessous du niveau actuel du Mexique, par exemple. Donc on ne peut pas dire qu'il faut attendre d'être très développé pour adopter ce type de mécanisme de solidarité. On peut le faire déjà à un niveau des pays à revenus moyens d'aujourd'hui. C'est tout à fait possible. Ceci dit, comme je le disais, on peut quand même adopter des formules assez variées. Et il y a un choix en particulier qui est important et qui peut changer pas mal les institutions, qui est le point d'intervention de l'État. L'État peut intervenir après le marché pour redistribuer les ressources. Et au fond, le modèle scandinave fait beaucoup cela. Il y a beaucoup de mécanismes de redistribution. Mais l'État peut intervenir aussi avant le marché pour donner aux gens les dotations, les éléments, les caractéristiques qui leur permettent d'être forts dans la compétition économique. Alors, l'État scandinave le fait aussi en ayant de l'éducation, en ayant des systèmes de santé qui sont bien développés. Mais on peut imaginer d'aller plus loin que cela, plus loin que le modèle scandinave, en faisant attention à ce que le comportement même des entreprises soit transformé, qu'on ait des entreprises qui soient plus horizontales, qui soient plus démocratiques, et que les inégalités de revenus à l'intérieur des entreprises soient plus faibles qu'elles ne le sont dans les entreprises ordinaires. Donc l'État peut faire non seulement de la redistribution, mais aussi ce qu'on appelle de la prédistribution, c'est-à-dire intervenir avant que le mécanisme économique se mette en place. Plus que l'économie, vous faites de l'économie politique. L'idée de la responsabilité, c'est de l'économie politique. On ne peut pas séparer les questions de pouvoir des questions économiques. Il y a du pouvoir dans les décisions économiques, et les entreprises en particulier, mais tous les organismes économiques, sont des lieux de pouvoir où des décisions sont prises qui sont importantes pour les membres de l'organisation. Et donc, il faut se poser la question. Est-ce que ces décisions collectives, y compris dans les entreprises, doivent être démocratiques ou peuvent être laissées à l'arbitraire d'un décideur autocratique ou autoritaire? Marc, dernière question. Il semble que la plupart des gens, surtout des gens, on les voit en France, on les voit en Amérique latine, aux États-Unis, et les gens ont méfiance vis-à-vis de l'État. L'État semble pour et plus cher une organisation qui sert à rien, on sert peu pour
et donner une seule plus égalitaire pour défendre la liberté. Et il y a un revenant de l'anarchie même. Et on les voit ça dans les élections. Quel est votre point de vue? Pourquoi cette méfiance, cette déception de l'État? Si l'État est si important pour construire le monde dont vous venez de parler. Oui, en fait, la méfiance, quand on regarde les enquêtes auprès des populations, la méfiance n'est pas tellement vis-à-vis de l'État en tant que tel, dans sa globalité, mais vis-à-vis de certaines institutions de l'État. Et par exemple, les institutions locales, comme les maires des communes, des villes, sont assez haut placées dans le degré de confiance. Donc les gens ont confiance dans certaines institutions, mais pas dans d'autres. Donc ça, c'est assez important. J'ai l'impression que la méfiance principale, ça n'est pas tellement est-ce que c'est l'État ou autre chose, c'est plutôt une méfiance vis-à-vis des élites en général. La méfiance, il y a une méfiance très forte vis-à-vis des institutions centrales de l'État, mais aussi vis-à-vis des grandes entreprises transnationales, par exemple. Donc toutes les élites un peu globalisées sont vues avec méfiance. Pourquoi ? Ce qui contribue sans doute parce que... C'est une époque, c'est une mode, c'est quelque chose qui va passer. Mais vous savez que les gains de la mondialisation ont été distribués de façon assez inégale. Et donc, il y a des gens qui appartiennent à des catégories, peut-être, auxquelles nous appartenons tous les deux, qui ont la possibilité de voyager et de collaborer avec des gens partout dans le monde et qui s'en tirent très bien. Mais il y a des gens qui se sont sentis laissés pour compte, abandonnés par ces élites qui étaient capables de fonctionner à un autre niveau et ont perdu leurs emplois, ont perdu leur statut social et se trouvent vraiment... En situation d'échec et donc de rejet de ces institutions qui ne leur bénéficient pas. Cela dit, si on n'adresse pas les questions d'inégalité, la démocratie est en panne. Exactement. La politique de ressentiment va continuer à gagner des adeptes. Exactement, c'est ça le problème. Plus la cohésion sociale est en déliquescence et plus la confiance est absente, et les gens se tournent vers quoi ? Donc vers des extrêmes ou vers des démagogues qui leur proposent des solutions simplistes ou vers des mouvements plus radicaux. Qui en même temps mettent en risque la liberté. Absolument, absolument. Donc il y a les trois défis dont je parlais tout à l'heure, l'environnement, la cohésion sociale et la démocratie, sont en fait vraiment interdépendants. De sorte que si nous arrivons à les attaquer tous les trois en même temps, on peut s'en sortir par le haut. Si nous n'y arrivons pas, les trois vont nous emmener dans une spirale infernale. Marc Fleurmet, merci beaucoup d'être ici au Mexique. Bienvenue et d'avoir venu ici à Noël Lugar Común. Merci à vous, à Ricardo. À la prochaine. Nos vemos próximo sábado. ADN 40, Noël Lugar Común. Muchas gracias.